Eh bien, c'est un peu gênant. T'aurais pas un flingue à me prêter? Non. Mais j'ai une balle. Avec ton nom écrit dessus. Ma partenaire va débarquer 10 minutes à l'autre. Et vous allez tous mourir. Tous. Quant à toi... Ça va faire mal. Très mal. Un dernier mot. Comment va ta sœur? Petra Venge, merci pour l'invitation. Vous amenez quoi, cette petite fête? Comme d'habitude. Oh, faites-nous votre truc. Sérieux, regardez ça. Ouh, ça me fera toujours flipper. Encore une fois. Plus tard, si elle tend. Pour le moment, les prisonniers sont déchaînés. Heureusement, l'arène principale et les niveaux inférieurs sont verrouillés. Mais si la sécurité principale nous lâche, les retenir pourrait s'avérer... difficile. La routine habituelle, en gros. Ok, l'ami, c'est comme un riff de blues en do. Je vous montre le rythme et... essayez de suivre. Allez, c'est parti! Yeah. Ceux-là ont vraiment envie de danser. Il faut mettre un terme à cette rixe. Si ces assassins s'échappent, le récif risque de tomber. Séparons-nous et éliminons-les. À la une, à la deux, à la trois. Thank you.
sortent ces flingues. Rejoignez-moi quand vous le pourrez. On arrive, c'est grave. Le plus tôt sera le mieux. L'explosion a ouvert quelques cellules en plus. J'adore le travail de terrain. L'explosion a détruit la sécurité sur les ponts inférieurs. Je vais aller vérifier les prisonniers de Mark. Vous et Cade, allez au centre de sécurité. Rétablissez la sécurité. Bon, donc, ils ne vont pas nous laisser entrer comme ça dans le centre de sécurité. Je prends par le haut, vous par le bas. Que je ne me suis jamais autant amusé de toute ma vie. Sécurité, Petra. Bien reçu. Rien ne marche par ici. Je vais devoir faire un détour pour arriver au quartier de haute sécurité. Thank you.
Attention là-dessous! Wow, 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 c'est pas ce que j'avais prévu! Clay! Rectification, vous êtes tout à fait bon. Votre bon sens est le signe. Voici le centre de sécurité. Nous ferions mieux de sécuriser la zone avant d'entrer. Niveau d'accréditation de geôlier pour ouvrir la porte. Okay. On l'occupe, la promotion arrive. Ah, vous avez manqué une magnifique prestation. Il ne manque plus que le coup de grâce. Qu'est-ce qui arrive au plancher ? Ah, la ruche, ça les pousse qu'elle touche. Dégagez-les de là, vous voulez bien? De la ruche nettoyée. Maintenant, ça devrait marcher. Pensez à vider la mémoire tampon. Oui, évidemment. Juste un truc. Comment on fait? Appuyez sur le bouton rouge. Ils sont tous rouges! Alors appuyez partout. J'arrive pas à croire que ça ait marché. Personne ne me bat ce jeu. Oubliez ce que je viens de dire. Ça n'a pas... Pas de panique, on s'en occupe. Allez-y.
pour de vrai cette fois-ci. Et allez! Et ne te relève pas! Assistance technique version démolition. Bon, tout est bien comme il faut. Mais ça me demande quand même une sorte d'activation secondaire. Il devrait y avoir un terminal utilisable sur les passerelles. Je serais bienvenu avec vous, mais apparemment, il y aurait des tourelles dans le coin et j'aimerais bien les utiliser. Au fait, on fait une bonne équipe, tous les deux. Je m'occupe de cette porte. Oh, les tourelles ont un mode manuel. Intéressant. Alors, vous pensez quoi de mes nouveaux flaques? Toujours la Petra, on va vous ouvrir un chemin vers le quartier de haute sécurité dans un instant. Bien compris. Je m'en charge, l'ami. Vous inquiétez pas. Des infos à me donner? Je reconnecte le système de sécurité. Passez maintenant, Petra? Oui, j'accède au niveau inférieur. Je dois juste vérifier 2-3 trucs, et puis on pourra partir d'ici. Donc c'est vous qui payez. On dirait que l'affaire est classée, les jeunes. Je vous paie les ramènes. Tout semble en ordre par ici. Je dois juste vérifier un dernier truc. Thank you.
non, Cade, il est parti. C'est pas une mutinerie, mais plutôt une évasion. Le sas au pont zéro. Siba, c'est le seul moyen de sortir. Ils vont s'échapper. Pas si j'arrive avant vous. Je me suis jamais senti aussi bien. Vous avez vu ça, Petra ? Petra ? J'ai dû dégommer les relais de communication à l'atterrissage. Et balancer la musique sinistre. Ok, tout le monde retourne dans sa cage. J'ai dit, tout le monde dans sa cage. Maintenant, je suis en colère. C'était tout ce temps. Vous êtes capable ? Tu peux m'aider, là, copine ? Geras, Geras.
Cade ? Petra ? Que se passe-t-il ? Répondez, Cade ? Eh, content de vous revoir. Nous avons fait une chute d'une vingtaine d'étages. Et je n'arrive pas à contacter Cade, ni Petra. Il y a une chose en liberté, tout près d'ici. C'était des déchus avant de devenir comme ça. Les déchus ne sont pas devenus comme ça tout seuls. Quelqu'un leur a fait ça. Je détecte de l'activité en dessous de nous, mais je n'ai toujours personne à la radio.
La spectre de Cade. Elle est morte. Sans spectre, Cade mourra. Nous devons le retrouver. C'est bon, Cade. Nous arrivons. Il n'a rien senti. Comment sont mes cheveux? Sans voix. Hein? Pour changer. Oh non! Rien. Je suis désolé. Écoutez, dites. C'est pas de votre faute. Ça m'apprendra à vouloir être gentil. Dites, Azavala et Ikora. L'avant-garde est le meilleur pari que j'ai jamais perdu. Il faisait de mauvaises blagues. Et son sens du timing était encore pire. J'essayais bien de rigoler. Vraiment. Nous aurions dû être là pour lui. Ce n'est pas de votre faute. C'est Uldrensov qui est responsable. Mais s'il croit que c'est fini après avoir fait ça, il se trompe. Ce n'est que le début. Nous allons l'affronter. Vous m'entendez? Nous tous, chaque titan, chaque arcaniste, chaque chasseur, nous allons prendre le récif d'assaut. Nous placerons la tête de ce salaud sur son trône qui lui est si cher. Pour notre escouade. Pour Cade. Non. Qu'est-ce que vous avez dit? Nous ne sommes pas une armée. Nous ne sommes pas des conquérants. Nous sommes des gardiens. Nous devons garder les pieds ici. Sur notre terre,
pour notre peuple, notre voyageur. Le récif était déjà perdu le jour où sa reine a disparu. Si un autre Soph veut un champ de pierre sans vie, qu'il le garde. C'est de Cade que l'on parle. Si on ne fait rien, nous ne sommes que... Dites-le. Des lâches. Je refuse d'avoir à enterrer d'autres amis. Vous n'aurez pas à le faire. Je m'occupe d'Uldren Soph. Combien de cabales avez-vous éliminé aujourd'hui? Très bien, alors. Chaque jour qui passe, l'épreuve devient plus difficile. Je dois m'en assurer, c'est primordial. Je ne pensais pas que vous seriez toujours là. Je pourrais essayer de vous dissuader, mais ce ne serait qu'une insulte pour nous deux. Pour le moment, nous avons tous les gardiens disponibles s'occupant des évadés de la prison des vétérans. Et ça ne suffit toujours pas. Si vous déclarez la guerre au récif, vous devrez la livrer seul. L'avant-garde ne peut pas vous aider. Soyez forte. Ma mémoire n'est pas si bonne ces temps-ci. Mais Cade... Cade ne sera jamais oublié. Un vrai chasseur jusqu'au bout. Il a légué tout ce qu'il possédait à la personne qui l'a éliminé. Je sais pas vous...
mais je préférerais perdre tous mes souvenirs plutôt que savoir que ce minable prince détient le pistolet favori de Cade, l'as de pique. Promettez-le-moi, enterrez Uldren et récupérez l'as de pique. Si quelqu'un doit avoir l'as de pique, c'est vous. Restez bien concentrés. Sur les bords du récif se trouve une région déserte nommée la Côte Enchevêtrée. C'est là que vous trouverez Uldren. Je ne vous empêcherai pas d'y aller. Quant à Zavala, il s'accroche au reste d'un futur qu'il avait imaginé et qui est en train de disparaître. Il n'a pas vu ce que j'ai vu. Le voyageur me parle depuis qu'il s'est réveillé. J'ai vu des couronnes, des roses, des arbres argentés, des bougies transformées en bûchers. Et je ne suis pas la seule. Si vous voyez quelque chose de nouveau, n'ayez pas peur de le poursuivre. J'aimerais pouvoir vous aider davantage. Mais la cité a besoin d'une avant-garde unie. Ou du moins, de l'illusion qu'elle est. Et c'est à vous de tracer votre route. Marcher dans la lumière.